Bien, nous avons vu dans les leçons précédentes que pour un circuit RLC, la tension aux bornes du condensateur pouvait se mettre sous cette forme-là. Ceci est une équation différentielle du second ordre en U. Pourquoi ? Parce que ça dit U, sa dérivée première par rapport au temps, hein, U point c'est d de U sur dt, et sa dérivée seconde par rapport au temps. Dans un premier temps, je vais vous demander de mettre cette équation différentielle sous sa forme canonique, ici, et vous déterminerez ce qu'on appelle oméga 0 pulsation propre du système et Q facteur de qualité du système. Bien, il suffit d'assimiler tout de suite oméga 0 carré à 1 sur LC. Autrement dit, oméga 0 égale 1 sur racine de LC. À quoi correspondrait oméga 0? Eh bien, ce serait la pulsation propre du circuit. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce serait la pulsation correspondant à la tension U si elle n'avait pas de résistance. C'est-à-dire que la tension aux bornes ici du condensateur varierait de façon sinusoïdale. Sa période propre T0 serait liée avec oméga 0 par la relation suivante, oméga 0 égale 2π sur T0. Voilà. Bien, première chose. Ensuite, déterminons le facteur de qualité Q. Oméga 0 sur Q est égal à R sur L. Autrement dit, eh bien, Q égale L fois oméga 0 sur R. Je remplace oméga 0 par 1 sur racine de LC, ce qui donne le facteur de qualité Q est égal à L sur R fois 1 sur racine de LC. Autrement dit, le facteur de qualité est égal à racine carrée de L sur C, L sur R, pardon, multiplié par 1 sur R. Voici pour ce facteur de qualité. Au passage, est-ce que le facteur de qualité a une unité? Eh bien non. Pourquoi? Ici, U seconde, nous avons vu que l'unité c'était en volts seconde moins 2, voire cours précédent. Oméga 0 divisé par Q fois U point doit être également en volts seconde moins 2. Vérifions. Quelle est l'unité de ce terme? Oméga 0 est en seconde moins 1. U point est en volts seconde moins 1. C'est d de u sur dt, volts seconde moins 1. Et donc, le facteur de qualité doit être forcément sans unité, je remplace par 1, pour qu'on ait ici la multiplication de seconde moins 1 par seconde moins 1, ça fait seconde moins 2, donc on retrouve bien des volts seconde moins 2. Facteur de qualité sans dimension physique. Bien, maintenant, je vais vous demander de faire quoi? Eh bien, je vais vous demander de trouver la solution de la tension U de t au cours du temps. Solution de cette équation différentielle du second ordre. La solution d'une équation différentielle du second ordre est la somme de deux parties. La première partie, c'est la solution générale sans second membre, c'est-à-dire solution telle que U seconde plus oméga 0 sur Q, U point plus oméga 0 carré U est égal à 0. Plus une solution particulière, telle que cette solution particulière corresponde au régime permanent. Régime permanent, eh bien, dans ce cas-là, ce serait U égale constante. À vous de bosser, trouvez-moi la solution particulière de cette équation différentielle du second ordre. Très simple, si U égale constante, U point qui est la dérivée de U par rapport au temps, c'est-à-dire U à l'instant 2 moins U à l'instant 1 sur T2 moins T1 avec T2 très proche de T1. Ben, si U égale constante, U2 moins U1 ça fait 0, donc U point égale 0. U seconde, c'est la dérivée de U point par rapport au temps. C'est la dérivée par rapport au temps ben, d'une valeur de niveau 0. Ben, ça fait quoi? Ben, ça fait 0.
Regardons maintenant ce que l'on peut simplifier dans cette expression. U seconde, c'est nul. U point, c'est nul. Il ne reste donc plus que oméga 0 carré U est égal à oméga 0 carré E, c'est-à-dire U égale E. En régime permanent, avec un petit U, c'est mieux. Eh bien, que vaut U? Eh bien, U égale E, c'est la solution particulière. On va passer maintenant à la solution générale sans second monde, qui, elle, va varier au cours du temps. Déterminons maintenant la solution générale sans second monde. Eh bien, cette solution générale sans second monde est de la forme suivante. Elle est de la forme A puissance RT. A fois exponentielle de RT. Alors pourquoi ceci? Dérivons. Si nous dérivons cette expression, on va la noter U point, par exemple, U point vaudra quoi? C'est la dérivée de cette expression par rapport au temps, c'est-à-dire A fois R E puissance RT. C'est-à-dire, ça nous donne R fois U directement. Si nous dérivons une seconde fois, eh bien, si nous dérivons R fois U, nous aurons quoi à ce moment-là? Eh bien, R fois R, c'est-à-dire R carré fois U ou R carré fois A E puissance RT. Réinjectons les expressions de U, U point et U seconde ici dans l'équation différentielle sans second monde. U seconde est égal à quoi? Eh bien, R carré, facteur de A, E puissance RT, autrement dit, R carré fois U, plus oméga 0 sur Q fois U point qui vaut R fois U, plus oméga 0 carré U. Et comme c'est la solution générale sans second monde, eh bien, ceci est égal à 0. Nous pouvons mettre U en facteur. U facteur de quoi? De R carré plus oméga 0 sur Q R plus oméga 0 carré qui doit être égal à 0. Comme U, solution générale sans second monde, va varier au cours du temps, il faut que cette expression soit vraie quel que soit T. Autrement dit, eh bien, ce terme doit être nul. 0 fois quelque chose qui varie au cours du temps, ça donnera toujours 0. Pour trouver la solution générale sans second monde, il faut donc trouver l'équation, il faut donc trouver, pardon, les solutions qui répondent à cette équation. C'est une équation, ici, du second ordre, du second degré. On appelle ça une équation du second degré. Donc, comment résoudre cette équation du second degré? Il faut trouver le discriminant, delta, qui vaut quoi? Eh bien, b carré moins 4ac. C'est-à-dire, b, c'est oméga 0 sur q au carré. Moins 4 fois A, c'est 1, et C, c'est oméga 0. Donc, moins 4 fois oméga 0 carré. Nous pouvons mettre cette expression 4 oméga 0 carré en facteur. 4 oméga 0 carré, facteur de moins 1, plus oméga 0 carré sur Q carré, donc ça fait plus, ici, 1 sur 4 Q carré. Voici le discriminant. Nous allons maintenant voir trois cas. Le premier cas, eh bien, si le discriminant est supérieur à 0, et nous allons déterminer dans un premier temps les solutions de cette équation pour pouvoir les réinjecter ici dans la solution générale sans second monde afin de trouver la solution de cette équation différentielle. Allez, à vous de jouer. Envisageons donc ce premier cas où le discriminant est plus grand que 0. Eh bien, à ce moment-là, nous avons ici 4 oméga 0 carré, facteur de 1 sur 4 q carré moins 1 qui est plus grand que 0. Qu'est-ce que ça implique pour la valeur de q? Eh bien, 1 sur 4 q carré moins 1 doit être plus grand que 0, puisque ceci est forcément plus grand que 0.
Ce qui nous donne 1 sur 4q carré moins 1 plus grand que 0, ça fait 1 sur 4q carré plus grand que 1. Autrement dit, ça nous donne 1 quart est plus grand que q au carré. Autrement dit, 1 demi est plus grand que q, ou ce qui revient même, q est inférieur à 1 demi. Si q facteur de qualité est plus grand que 1 demi, et plus petit que 1 demi, pardon, alors le discriminant est plus grand que 0. Nous avons donc deux solutions à cette solution, à cette équation, r carré plus oméga 0 sur q r plus oméga 0 carré égale 0. Quelles sont ces deux solutions? Ben, nous les noterons comme, si, comme ceci, r1, 2, solution 1, solution 2, égale moins b plus racine de delta ou moins racine de delta sur 2a, plus ou moins racine de delta, autrement dit. Donc, ça nous donne pour ces deux solutions, moins b, eh bien, moins b, ça fait moins oméga 0 sur q, plus ou moins racine de delta, donc racine de delta, ça donne racine carrée de 4 oméga 0 carré, facteur de 1 sur 4q carré, moins 1, divisé par 2a, eh bien, a est ici, vaut 1, divisé par 2. Autrement dit, les deux solutions sont les suivantes. Eh bien, moins oméga 0 sur 2 fois q, plus ou moins 2 oméga 0 facteur de racine carrée de 1 sur 4q carré moins 1, divisé par 2. Autrement dit, plus ou moins oméga 0 fois racine carrée de 1 sur 4q carré moins 1. Alors, nous avons deux solutions. On démontre en mathématiques, voire cours de mathématiques, que cette solution générale sans second membre est une combinaison linéaire de ces deux solutions. Autrement dit, U solution générale sans second membre vaut A fois E puissance R1T plus B E puissance R2T avec R1 qui vaut moins oméga 0 sur 2Q plus oméga 0 facteur de racine carrée multiplié par racine carrée de 1 sur 4 carré moins 1, et puis R2, eh bien, la même expression mais avec le signe moins, moins racine de delta. Voici la solution générale sans second membre. La solution totale dans le cas numéro 1 où le discriminant est plus grand que 0, ce sera quoi? Eh bien, cette solution générale plus la solution particulière que nous avons trouvée précédemment. Donc le cas numéro 1, quelle est la solution correspondant à cette équation différentielle du second ordre? Eh bien, c'est A, E puissance R1T, plus B, E puissance R2T, plus grand E. A et B seront trouvés grâce aux conditions initiales au cours des exercices. Physiquement, à quoi ça correspond? Eh bien, R1 et R2 sont négatifs du fait de leur expression ici. Eh bien, nous allons avoir quoi? U qui va varier quand t est égal à 0. Eh bien, par exemple, U sera nul parce que le condensateur sera déchargé, donc la charge Q vaudra 0. Et puis, eh bien, ça va tendre vers quoi? Cette tension, elle va tendre vers grand E. Et elle aura cette allure-là. Ce régime est appelé le régime apériodique. C'est-à-dire sans oscillation avant d'atteindre le régime permanent. Nous allons voir maintenant le second régime qui correspond au discriminant qui est égal à 0. Cas numéro 2, donc le discriminant est égal à 0. À quoi ça correspond ceci? Eh bien, si le discriminant est égal à 0, à ce moment-là, 4 oméga 0 carré facteur de 1 sur 4 q carré moins 1 égale à 0, ce qui implique que 1 sur 4 q carré moins 1 égale à 0.
Donc 1 sur 4 q carré égale à 1. Autrement dit, eh bien, q carré égale à 1 quart, q égale à 1 demi. Quand le facteur de qualité vaut 1 demi, à ce moment-là, le discriminant est nul. Quelles sont les solutions de cette équation en r carré? Eh bien, r est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Racine de delta, c'est égal à 0. Donc r, il n'y a qu'une seule solution qui vaut quoi? Moins b, c'est-à-dire moins oméga 0 sur q divisé par 2. Donc moins oméga 0 sur 2q. Comme q vaut 1/2, ça fait r égale moins oméga 0 fois 2 fois 1/2 moins oméga 0. À ce moment-là, on démontre en mathématiques, et ça vous devez le connaître, que la solution générale sans second membre est de la forme AT plus B, avec A et B constantes qu'on peut déterminer avec les conditions initiales, E puissance RT, c'est-à-dire, pour la solution générale sans second membre, eh bien, AT plus B, E puissance moins oméga 0 T. La solution en U, c'est la solution générale plus la solution particulière. Donc ça donnera AT plus B, E puissance moins oméga 0 T plus 1. Pour ce circuit particulier, évidemment. L'allure de U de T, eh bien, U de T, comme précédemment, va tendre vers E, parce que quand T tend vers plus l'infini, eh bien, ce terme-là s'annule. Autrement dit, eh bien, on va tendre vers E, qui correspond au régime permanent, évidemment. Et ce régime est appelé le régime critique. Il est à mi-chemin entre le régime apériodique que nous venons de voir, c'est l'heure de manger, et le régime pseudo-périodique que nous verrons après manger. Cas numéro 3, et ça c'est vraiment un cas quoi. C'est difficile à comprendre, attention ça s'accroche. Et après c'est fini, hein. On peut passer à autre chose. Alors, on va prendre le cas où le discriminant est cette fois-ci inférieur à 0. Alors là on va utiliser un truc de dingue. Le discriminant est inférieur à 0, or à un moment donné on a quoi? Racine carrée de delta, racine carrée de quelque chose qui est négatif, c'est impossible. Alors comment est-ce que on résout ce problème? Eh bien, on dit que discriminant égale quoi? J au carré fois moins delta. En effet, J au carré, ça fait moins 1. Donc, moins 1 fois moins delta, et bien maintenant, on trouve delta. Ouf! Quand on a racine carrée de delta, à ce moment-là, ça fait racine carrée de quoi? De J au carré fois moins delta. Autrement dit, ça nous fait J fois racine carrée de moins delta. Et voilà, c'est l'astuce. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on résout cette équation. Donc, il y a toujours deux solutions. 1, 2. D'abord, moins B plus racine de delta, ou alors cette fois-ci, maintenant, on a moins B plus racine de delta vaut quoi? Ben, J facteur de racine de moins delta, ou moins b moins, moins j fois racine de moins delta divisé par 2a. Ce qui nous donne pour r 1, 2, moins b, et eh bien moins b c'est quoi? Ben, c'est moins oméga 0 sur q, plus ou moins j racine carrée de moins delta, divisé par 2, puisque A est égal à 1. Au passage, j'ai oublié un petit truc, quelle est la condition sur le facteur de qualité, hein? Une petite parenthèse, hein? 1 sur 4q carré moins 1 est négatif, ça implique quoi? Eh bien, 1 sur 4q carré est inférieur à 1, autrement dit, q carré est supérieur à 1 sur 4. Donc Q est plus grand que 1 demi.
condition nécessaire pour que le discriminant soit inférieur à 0. On continue notre course folle. R1,2, que vaut-il? Eh bien, moins oméga 0 sur 2q, plus ou moins quoi? Eh bien, j fois racine de moins delta. Ça nous donne quoi? Eh bien, j fois racine de moins delta. Delta, c'est ceci. Donc, moins delta, ça nous ferait quoi? Ben, 4 oméga 0 carré. Et puis, on prend l'opposé de ce terme, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 4q carré. Autrement dit, et évidemment, toujours divisé par 2. Hein. Attention, 2, le voici, le voilà. Ce nous donne donc R1,2 égale moins oméga 0 sur 2q. Plus ou moins quoi? Eh bien, J 2 oméga 0 sur 2 racine carrée de 1 moins 1 sur 4q carré. Hop! Voilà l'expression de ces deux solutions en R. Alors, ce oméga 0 racine carrée de 1 moins 1 sur 4q carré, c'est ce qu'on appelle la pseudo-pulsation. Donc, cette pseudo-pulsation vaut oméga 0 racine carrée de 1 moins 1 sur 4q carré. Autrement dit, que vaut R1,2 les deux solutions? Eh bien, moins oméga 0 sur 2q plus ou moins j oméga avec oméga pendant cette expression. La solution générale sans second membre, elle vaut quoi? Eh bien, elle vaut A e puissance R1t plus B e puissance R2t, ce qui nous donne, après simplification, et là, il faudra avoir votre cours de maths, hein, on ne peut pas développer, ça serait trop long, eh bien, la solution générale sans second membre, elle vaut quoi? Eh bien, e puissance moins oméga 0 sur 2q fois t, facteur de quoi? A cos oméga t plus b sinus oméga t. Qu'on peut mettre, voire cours précédent, e puissance moins oméga 0 t sur 2q, facteur de a cos oméga t plus phi. Alors ça, c'est la solution générale sans moment. Il faut y rajouter la solution particulière pour avoir u de t. Donc u de t égale cette solution u, solution générale sans moment, plus e. À quoi correspond ce régime? Eh bien, on appelle ça ce régime pseudo-périodique. Je me fais engueuler. Je vais arriver en retard au resto. Pseudo-périodique. Je sais, tout le monde s'en fout. Donc, la tension aux bornes du condensateur va venir osciller autour du régime permanent. Ici, nous aurons la période T qui est reliée à la pseudo-période par la relation oméga égale 2 pi sur T, évidemment. Et au bout d'un certain temps, le régime permanent va s'établir et la tension aux bornes du condensateur vaudra grand E. Voilà, à vous de refaire ces démonstrations, elles sont importantes. Résumons maintenant les différentes solutions de cette équation différentielle en U dans les trois cas suivants, régime apériodique, régime critique, régime pseudo-périodique. La solution de cette équation est la somme de la solution générale sans second membre plus de la solution particulière qui correspond au régime permanent, c'est-à-dire que U ne varie plus. Résoudre cette équation nous permettra de trouver l'expression de la tension correspondant à la solution générale sans second membre. Pour le régime apériodique, le discriminant de cette équation du second degré est positif, le facteur de qualité est inférieur à 1/2, la solution générale sans second membre a cette forme-là, avec R1 et R2, les deux solutions de cette équation, et nous aurons une courbe représentant U au cours du temps, de cette manière-là. Donc nous allons voir que la tension U va tendre vers une tension U qui correspond à la solution particulière, donc au régime permanent.
Le régime critique, lui, correspond au discriminant égal à 0. On n'a plus qu'une seule valeur de R. La solution générale sans second membre à cette expression-là. Et nous allons tendre vers le régime permanent plus rapidement que dans ce premier cas. Le régime critique est à mi-chemin entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique, qui correspond à quoi ? Le discriminant est inférieur à 0. Le facteur de qualité est plus grand que 1,5. Les deux solutions R1 et R2 ont cette expression. La solution générale est de cette forme-là. Et la tension U va tendre vers le régime permanent en oscillant autour de cette solution particulière qui correspond au régime permanent. Ça, ce serait par exemple un ressort, les ressorts des amortisseurs de voiture. Je tombe dans un trou, boum, j'oscille jusqu'à reprendre une position qui représenterait le régime permanent. Voilà, vous pouvez reprendre ça. Il faut savoir évidemment effectuer la recherche de cette solution dans d'autres cas que celui-ci, mais toujours mettre l'équation différentielle sous la forme canonique de manière à vous aider dans la recherche des solutions.